Bonjour, on se retrouve pour une petite revue du Super Tinker. Donc on va voir ses caractéristiques et les différents outils qu'il compose. Donc déjà niveau référence, c'est le 1.4703, donc Super Tinker. Niveau de la notice, voilà, on a une petite notice comme ça. Rien de particulier, classique. Voilà, on nous explique le l'ouvre-boîte, le décapsuleur, comment le graisser. Donc c'est voilà, c'est classique. Alors les caractéristiques, on a ici, donc bien sûr c'est un 91 mm en longueur et une épaisseur de 17 mm pour un poids de 84 grammes. Donc voilà, c'est assez léger, 17 mm c'est petit, hein. On a trois couches. Donc typiquement un couteau assez léger, assez petit en épaisseur. Niveau prix, ben je le dirai après. On va déjà voir ce qu'on a. Donc on a évidemment classique la grande lame avec la petite lame. Voilà. Ça c'est classique. On a le ciseau de chez Victorinox. Pareil, ça fonctionne très bien. Et on a encore, comme d'habitude, le décapsuleur, l'ouvre-boîte avec le petit tournevis plat, le gros tournevis plat. Voilà, rien de nouveau. Donc là, il est vraiment classique, hein. Il a la grande lame, la petite lame. Les ciseaux et les deux outils décapsuleur ou ouvre-boîte. Donc il a le minimum, on va dire. Ici on n'a pas de tire-bouchon mais le tournevis cruciforme. Voilà. Ici on a le crochet qui est difficile à sortir. Donc voilà, bon, j'en ai déjà parlé, hein. Mais qui a aussi ses utilités. Et on a évidemment le poinçon. Voilà. Avec un trou d'ailleurs où on peut passer un fil pour coudre. Bon, évidemment, on va pas recoudre. C'est pour coudre des choses, des grosses matières, disons. On va pas recoudre notre t-shirt avec, parce que sinon ça va faire mal. Voilà. Après aussi évidemment la pince à épiler classique et puis le cure-dent. Voilà pour ce couteau. Donc c'est un couteau qui voilà n'est pas très lourd, pas très gros, donc pratique pour mettre dans la poche. Il a les outils essentiels, vraiment classiques. Voilà, les deux lames, le ciseau, les deux ouvre-boîte, décapsuleur. Et puis ici on a le tournevis cruciforme, voilà. À la place du tire-bouchon, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'utilisent jamais un tire-bouchon, c'est intéressant d'avoir le cruciforme. Et voilà, il est bien, il est complet, je trouve, il est intéressant. Et bon, après évidemment il y a d'autres outils qu'il n'a pas ici, donc après ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Voilà. Pour le prix, j'avais dit alors le prix, on est chez Victorinox, on est à 35 euros, donc vraiment c'est
pas cher quand même quand on y pense pour un couteau qui est garanti à vie, qui est de qualité indéniable. Il n'y a rien à redire. 35 euros, c'est vraiment pas cher. Et sinon, moi, le moins cher que j'ai eu, enfin, moi, je l'ai payé. Alors je regarde, 26 euros. Donc, j'ai gagné quasi 10 euros. Donc, voilà, bon, vraiment, 26 euros, c'est vraiment donné, quoi, pour un couteau comme ça. Voilà. Bon, on se retrouve pour une prochaine revue ou unboxing. Voilà, à la prochaine! Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain, yeah.